Suivez votre nouvelle émission à la lumière des Écritures avec la révérende prophétesse Shalom Ekané. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ainsi, demeurez dans la parole de Dieu est le seul chemin qui vous mènera à la délivrance. Connectez-vous donc de mercredi à vendredi, 14h30, 16h, sur YouTube, Facebook, Dolos FM et Zoé Channel pour recevoir le message qui changera votre vie à la lumière des Écritures, une émission d'enseignement, d'exhortation et de prière en direct. À la lumière des Écritures, vous serez éclairés. Chers téléspectateurs de Zoé Channel, de Dolos FM et via certainement les réseaux sociaux, vous êtes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureuse de m'adresser à vous en ce jour pour vous annoncer une nouvelle émission. Il faut dire que cette émission m'a été demandée par plusieurs d'entre vous et j'attendais justement que le Seigneur me parle. J'attendais le temps propice. Il est important d'attendre le temps de Dieu et quand le temps de Dieu arrive dans la vie d'un homme de Dieu, c'est le bon temps justement pour pouvoir se prononcer. Nous ne parlons pas par nous-mêmes, nous parlons poussés et inspirés du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit a parlé et mon âme le bénit et certainement ton âme le bénira au travers de cette émission qui est intitulée « À la lumière des Écritures » présentée par la humble servante que je suis. Voilà, « À la lumière des Écritures » est une nouvelle plateforme d'enseignement, de prédication, d'exhortation, une émission de prière, d'inter-échange où le Seigneur nous éclairera davantage. Il nous parlera d'une manière unique et spéciale. Nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin justement d'être informés, nous avons besoin d'être ressourcés, nous avons besoin de connaître notre identité. Plusieurs justement sont en manque de toutes ces choses, plusieurs ne connaissent pas qui ils sont, plusieurs ne savent pas oui ou non ils sont appelés ou hésitent justement de se lancer parce qu'ils n'ont pas la certitude ou ne croient pas forcément en eux. À la lumière des Écritures vient justement pour vous booster et pour vous orienter dans votre appel selon le couloir que Dieu vous a donné. Voilà, c'est une émission qui passera trois fois la semaine, le mercredi, le jeudi et le vendredi, espace 14h30, 16h. Alors, j'ai mis une heure et demie justement pour vous permettre de pouvoir appeler et que nous puissions prier ensemble, que nous puissions échanger et que justement vous puissiez envoyer vos sujets de prière. Le Seigneur qui a institué cette émission certainement le fera au travers de la humble servante que je suis. Je suis heureuse de savoir que vous serez des milliers à nous suivre en direct sur Dolos FM, sur Zoé Channel et via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous prenez cette émission à cœur, que le Seigneur réponde à vos préoccupations et surtout qu'il vous donne son signe. Le signe de Dieu est déjà arrivé en cette saison. À la lumière des Écritures, nous serons éclairés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Suivez votre nouvelle émission à la lumière des Écritures avec la révérende prophétesse Shalom Ekané. De mercredi à vendredi, 14h30, 16h, sur YouTube, Facebook, Dolos FM et Zoé Channel.